Connaissez-vous le secret de Kamala Harris pour récolter des millions de dollars pour financer sa campagne? Eh bien, ce sont des Zooms. Oui, le logiciel de visioconférence. Cette fois, il est utilisé pour organiser des grandes visioconférences entre les personnes qui soutiennent la candidate démocrate. Le but, lever des fonds et inciter à l'action. Get your friends to donate. Let's start to feel our collective powers. Et c'est loin d'être anecdotique. Des centaines de milliers de personnes, dont des célébrités, se connectent lors des différentes visioconférences. A woman president, man, how exciting! But you've got to vote. You've got to vote. L'entreprise a même été contrainte d'augmenter le plafond du nombre de participants. Vous avez cassé Zoom. Nous n'avions jamais étendu la capacité d'accueil à plus de 100 000 personnes. Lors de ces visioconférences, des liens vers des plans d'action ou des cagnottes de dons sont envoyés, ce qui a permis de récolter beaucoup d'argent. Par exemple, 1,5 million de dollars pour le groupe Gagner avec les femmes noires, 4 millions pour les mecs blancs avec Harris, ou encore 8 millions pour Femmes blanches répondaient à l'appel 2024. Et des groupes comme ceux-ci, il en existe des dizaines qui se sont créés depuis l'annonce du retrait de Joe Biden dans la course à la Maison Blanche. Ils participent pleinement à la campagne de la candidate démocrate et permettent de rendre la politique accessible. Ease of access to technology, I think, has just made this significantly easier. Almost everyone's been on a Zoom at this point, so they know like how to log on, they know where to go, it's familiar. This is an epitome of what happens when things go viral. And things go viral when, you know, the opportunity meets where they are in that moment and it is an easy access to it. Côté républicain, ces visioconférences sont moquées, faisant même réagir Elon Musk, fervent partisan de Donald Trump.